Empêcher les troupes maliennes d'aller à Kidal, alors que les Maliens n'étaient pas à Kidal, c'était en Sardine. Empêcher l'armée malienne d'aller à Kidal et installer les Maliens, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est d'accord avec nous. Quand la France est intervenue à ce moment-là, j'ai dit que. Mais le Mali, qu'est-ce qu'il est devenu, le Mali? Qu'est-ce qu'il est devenu? Et j'ai entendu à la télévision française, France 24, qu'est-ce qu'est devenu la grande armée malienne? C'est un Français qui le dit, c'est pas moi. Effectivement, il savait qu'il y a une grande armée malienne. Mais il n'y avait plus ces hommes-là. Le matériel qui était resté est devenu obsolète. Ou bien, le matériel a été vendu. Ou bien, le matériel a été... Et oui, le matériel a été vendu. Donc, lorsque la France est intervenue pour chasser les narcotrafiquants, les djihadistes, de tout ce qu'on veut, la France a joué un rôle. Et le président français l'a dit, que la France a payé une dette. Il ne reviendra pas là-dessus. Mais je dis, libérer les trois quarts, le 113% du territoire national malien, empêcher les troupes maliennes d'aller à Kidal, cela est troublant. Alors que les Maliens n'étaient pas à Kidal, c'était en Sardine. Le vieux Iyad, chassé Iyad. D'accord. Empêcher l'armée malienne d'aller à Kidal et installer le MNA à Kidal, cela donne à réfléchir à tous les Maliens. Et surtout, lorsque le ministre français de la Défense, dans une interview, déclare « Eh oui, les Touaregs sont nos amis. » Ah oui. Et le reste des Maliens. Ce sont les ennemis de la France. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Bien. De toute façon, et de tout ce qui peut se passer aujourd'hui, la France, il sera difficile pour la France d'imposer au Mali quelques solutions de partition du territoire national. Et même les Nations Unies sont d'accord avec nous pour cela. L'Union africaine est d'accord avec nous. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est d'accord avec nous. La France fera ce qu'elle fera. Mais, j'ai dit, elle ne pourra pas faire ce qu'elle veut. C'est pas possible. On ne pourra le faire qu'en accord avec le Mali. Je vous donnerai une confidence. Le 11 janvier 2013, après l'intervention française, j'ai dit à ma deuxième fille, l'épouse de Cheikh Boudou Diarra, les gens sont heureux parce que le territoire est libéré, mais il y a un prix à payer. Mais il faut que ce prix se paye dans l'honneur et la dignité. Il faut que les Maliens le sachent et le comprennent. Sans cela, ça va être très grave pour le Mali et les Maliens. Mais je dis, libérer les trois quarts, le 113% du territoire national malien. Empêcher les troupes maliennes d'aller à Kidal, cela est troublant. Alors que les Maliens n'étaient pas à Kidal, c'était en Sardine.
Le vin yad. Chasser yad. D'accord. Empêcher l'armée malienne d'aller à Kidal et installer le MLR à Kidal. Cela donne à réfléchir à tous les Maliens. Et surtout, lorsque le ministre français de la Défense, dans une interview, déclare « Eh oui, les Touaregs sont nos amis. » Ah oui. Et le reste des Maliens, ce sont les ennemis de la France. C'est inquiétant. De toute façon, et de tout ce qui peut se passer aujourd'hui, la France, il sera difficile pour la France d'imposer au Mali quelques solutions de partition du territoire national. Je crois. Et même les Nations Unies sont d'accord avec nous pour cela. L'Union africaine est d'accord avec nous. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est d'accord avec nous. La France fera ce qu'elle fera. Mais, j'ai dit, elle ne pourra pas faire ce qu'elle veut. Et puis, c'est pas possible. Elle ne pourra le faire qu'en accord avec le Mali.